Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc Vous allez bien Ah, bah c'est parfait. C'est quoi ce truc-là Alors, oui, hein, souvenez-vous, souvenez-vous ce que je vous disais à propos de Notre-Dame. J'avais un très, très mauvais pressentiment. Et ben, foi j'avais raison. Alors, un jour après, certes, il y a l'église qui a, qui a brûlé. Mais euh, quand même, hein, euh, ça continue, ça continue. Ça continue, mes amis, ça continue. Voilà. Ce que vous voyez là, je ne sais même pas si j'ai partagé l'écran. Voilà. Donc, ça continue. Ça continue puisque, euh, bah puisque euh, vous savez qui Vous savez qui veut absolument changer Il insiste, hein. c'est bien, bien noté qu'il insiste pour changer les vitraux, alors que les vitraux apparemment sont en bonne santé, que tout va bien. Mais non, lui, il veut les changer. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il si les change, il, y a, il, il, il aura sa patte, enfin il aura son empreinte dans l'histoire de France nos petits enfants nos... non c'est pas non pour moi ce n'est pas possible ce n'est pas possible non c'est c'est non mais ça y est là ils ont pris la grosse tête ils font ce qu'ils veulent ils respectent pas euh, les, 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 le vote des des, des Français euh, ça suffit là ils font ce qu'ils veulent donc là ils veulent changer les vitraux euh, ça, ça commence à bien faire non vraiment ça commence à bien faire voilà donc j'ai pas la suite enfin voilà ça va pas. Non, ça ne va pas. Non, je suis désolé, mais là, moi, je… je... Non, non, là, c'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Hein. Mais enfin, comme ils font ce qu'ils veulent. Hein, bah oui, il fait ce qu'il veut. Il fait, il fait ce qu'il veut, l'autre. Hein. Il fait absolument ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas ça que je voulais, d'ailleurs. Bah, donc, on va, euh, on va tirer, on va faire un petit dimanche voyance. Qu'est-ce que vous en pensez Si je trouve mes cartes Attends, euh, ça m'énerve. Alors, ah, moi, je refuse que ce type laisse son empreinte euh, en plus, sur Notre-Dame, ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas? Mais ça va pas la tête! Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il qu qu veut de plus, hein? Vous voyez, c'est. Moi, je dis rien parce que moi, de toute façon, au bout d'un moment, de toute façon, tu peux rien dire. Parce que le pire, c'est que je crois qu'il va le faire, en fait. Il en a. Parce qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Je vous dis, ils font ce qu'ils veulent. La petite élite qui est au pouvoir, il s'éclate, là. Il s'éclate. Je ne veux pas que ce type laisse son empreinte, surtout pas sur Notre-Dame. Certainement pas. Il a rien fait de bien dans ce pays et il veut défigurer Notre-Dame avec des vitraux, euh, euh, je ne sais pas comment. Mais j'en veux pas. Même si c'était les plus beaux vitraux du monde, je m'en fous. Je n'en veux pas. Je n'en veux, pas. pas lui, pas lui. <laughs> Pitié. Puis c'est pas ça, ça coûte, ça coûte un bras quand même. Hein. Alors je vois pas pourquoi il veut les changer, parce que les vitraux vont très bien, ils sont en très bonne santé. Euh, pourquoi les changer Pourquoi les changer Non, ça c'est pas possible. Non, non, vraiment, il faut faire, il faut vraiment, si jamais si jamais il arrive... Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Alors là, là, je descends dans la rue. Ah oui, non, ça c'est pas possible. Non, 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 ce type a fait du mal à la France et en plus il veut... Ah non, <laughs> vous imaginez l'horreur. Oh, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Oh, J'ai dit, hein, si jamais il change les vitraux, on les cassera. <laughs> on les cassera, on n'en veut pas. <laughs> on n'en veut pas de ces vitraux. Alors déjà, qui voulait changer la fête, vous vous souvenez que Brigitte, hein? Brigitte. Euh, donc, vous voulez mettre un espèce de truc. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit, l'autre comment, comment elle s'appelle déjà euh, Bon, Je sais plus, c'était un espèce de phallus. Enfin, elle voulait... Non mais. mais attendez. Non. Où c'est qu'on va Où c'est qu'on va Où c'est qu'on va C'est qu tout. Voilà, donc c'est l'info du jour pour moi, c'est les vitraux. Non, moi, ça passe pas, là. Ça ne passe pas dans ma tête. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça. Oh ah Ah mon Dieu Ah là la savoir qu'il a touché à Notre-Dame. Oh J'en serais malade. Je change de pays. <laughs> il y en a qui disent oui, si le Rassemblement National passe, je quitte la France. Non, si tu touches à Notre-Dame, si tu touches à Notre-Dame, c'est plus la France, surtout si c'est toi qui la touches. Non, 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 non. Parce que maintenant, je me pose des questions quand même, à savoir que, bah après, tu te poses des questions, tu dis tiens, c'est bizarre. Bah, comme il prévoit tout à l'avance, ce type, hein, il prévoit tout à l'avance. Le coup, euh, le coup qu'il vient de nous faire avec, euh, comment il s'appelle, avec Barnier. Euh, tout ça c'était déjà euh, préparé avec le, le rassemblement national dans tous les cas avec Marine Le Pen donc il y a eu voyez c'était déjà préparé en amont bien en amont tu vois donc comme tout est préparé chez lui je me pose des questions par rapport à Notre-Dame Ah bah oui on les a vus sourire quand même hein, tous autant qu'ils sont ça a repris l'enregistrement, je ne sais même pas. Bon, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu sourire avec le grand Adèle, la grande saucisse, euh, quand ils se sont présentés à Notre-Dame, hein, en feu. Quand elle était déglinguée, ils étaient morts de rire quand même. Ah, ben si. Donc, je commence à me poser des. Je commence à me poser des questions. Non, 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 ce type est un démon, il est hors de questions, qu'il touche à Notre-Dame. Voilà. Allez, on y va. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je de toute façon, pff, de toute façon, voilà quoi. Je, je, non, mais tout à l'heure j'ai eu un flash, enfin un flash. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec ce type. Et je vous l'avais dit il y a très très longtemps. Euh, bon, je vous avais dit pourquoi voulez-vous qu'il parte, ça c'est sûr, parce que je, ça m'avait fait éclater de rire. Et dans un deuxième temps, je voyais pas de, je voyais pas de comment s'appelle, euh, je ne voyais pas d'élection en fait. Et moi, il me fait peur ce type. Hein, je, je, franchement, hein, il me fait peur. Hein, euh, je, je me demande qu'est-ce qu'il prépare. Je me demande qu'est-ce qu'il nous prépare encore, vous voyez. Je, 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 je vous dis, pourquoi voulez-vous qu'il parte Regardez ce qu'il fait. Regardez tout ce qu'il fait. Son projet, c'était de défoncer la France. Il, est, il y est arrivé. Bon. Euh, je ne sais pas, il y a un truc. Je sais pas, j'ai vu une photo de lui. Avec, il y avait Marine Le Pen à côté. D'un seul coup, j'ai dit, mais… Hmm, non, lui, si on le déloge pas, il va, il partira pas de lui-même. Hein. Je sais pas, il va, de... non, il va nous faire un coup. Il va nous faire un coup. Il va nous faire un coup, j'en suis sûre. J'en suis sûre et certaine. Va falloir faire, être très vigilant, très 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 vigilant, parce que ce type-là va se représenter encore. Hein. Il va pas lâcher l'affaire. Hein. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Pas eu le temps de réfléchir trop, mais il y a un truc qui est pas normal, pas normal. Et puis ce qui m'a semblé bizarre, parce que moi, c'est toujours su... par rapport à des photos que. Je ne sais pas, des fois je regarde comme ça. Ce qui m'a paru bizarre, c'est alors que la France, justement, cherchait son Premier ministre et tout ça, <coughs> comment vous trouvez normal qu'un président qui, allait, qui, qui, qui a foutu le bordel, il faut, faut le dire, alors qu'il y avait aussi euh, euh, la Nouvelle-Calédonie qui n'allait pas du tout, enfin on n'en entend plus parler, hein, mais à ce qui paraît c'était la guerre civile là-bas, hein, alors qu'il y a les, les Outre-mer qui, qui se révoltent aussi parce que tout est trop cher et tout, comment c'est possible de partir en vacances et de s'amuser sur un bateau et se faire prendre en photo quand ton pays est dans, dans cet état-là. Je, je, je pose la question. Vous voyez, c'est cette photo qui m'a dérangé. Moi, j'ai dit, c'est pas normal, ça. Un mec normal, un bonhomme normal, qui est président d'un pays, euh, vu le pays dans l'état qu'il est, euh, tu vois, il la mis en sourdine, quoi. Il se montre pas trop, quand même. Hein. Euh, voilà, un peu de respect, on va dire. Lui, a rien du tout. C'est pas normal. Il est trop sûr de lui. Il est trop. Euh, je fais ce que je veux. Je m'amuse. Euh, je prends des. Je prends des vacances euh, sur un bateau avec Jean-Michel et tout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ça qui m'a dérangé. C'est. C'est. Parce que je. Bon. Qui se fout de la. Se fout de la gueule des Français, ça, on le sait très bien. Mais là, c'est trop. Non, là, fr... Non, franchement, là, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Russie Je ne sais pas ce qui va se passer. Fais voir est-ce que j'ai pas ba... j'espère que j'ai pas trop battu mes cartes encore cette fois-ci il y a un truc avec un avion en tous les cas <coughs> encore <coughs> fais voir qu'est-ce qui se passe avec la c'est en Russie se passe. ou alors c'est lui qui va partir euh... je sais pas il y a quelqu'un qui prend l'avion pour aller euh... en Russie en Chine bon je sais bon on va voir. on va voir en tout cas ça me parle quand même d'un avion un avion, hein. un avion. Oh là là, je vous jure, les vitraux de Notre-Dame. Tu te rends compte C'est incroyable, incroyable. Euh... Ah oui, bah ça, ça doit être Notre-Dame. Ça doit être pour Notre-Dame, ça. Ça, ça doit être pour Notre-Dame. Je ne sais pas, ils sont en train... J'espère qu'il va... Il va aller changer, les vitraux. Je ne sais pas, je n'ai même pas regardé l'article. Hein. Je ne sais même pas, mais... Ah, ça, ça me retourne, ça me retourne. Qu'est-ce qui se passe avec... Euh... Fais voir... Fais voir, fais voir. Ça doit être ces gens-là. Je pense que qu'on me parle de Notre-Dame, là. On parle encore de Notre-Dame. Ils sont en train de. Oui, bah oui. Ils sont en train de voir ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Mon oh, Dieu, quelle horreur. Oh, je n'ai même plus le cerveau, tellement que ça m'énerve. Ça, ça, ça me contrarie. Je suis contrariée. Non, pas Notre-Dame. Pas ça. Pas ça. Déjà qu'ils l'ont fait brûler, s'il vous plaît. Non, là, c'est trop, là. C'est trop. La pauvre Notre-Dame. Je crois que c'est l'appel de Notre-Dame. Hein. La prémonition que j'avais, c'est peut-être eu... peut un appel. Allez savoir. Bon, qu'est-ce qu'elles me... Qu qu me disent, les cartes Là, on s'en fiche. Allez hop. Je crois que c'est l'appel de Notre-Dame, en fait. Hein. Quelque chose qui. Ouais. Bon, bref. Ah bon? Ouais. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Moi je, je, je vais pas y arriver. Non, je ne vais pas y arriver à faire, à faire même, mon, mon dimanche voyance. je ne vais pas y arriver. Parce que je suis contrariée, voilà. Elle me contrariède. Aya me contrariède. Ma fille qui parle super, super bien l'anglais, tu sais. Je parle anglais comme Louis de finesse, il faut le savoir. Oh là 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 là, je vous jure. Oh, ça me. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Oh là, c'est qui ça Oh, bah, et donc, j'espère que c'est n'est pas, euh, comment il s'appelle, euh, Barnier, Michel Barnier, pardon, parce que c'est, oh, je, vais, je vais les rebattre, hein, les cartes, parce que je ne sais pas, on me dit des choses bizarres, là. C'est quoi ça Je vais rebattre les cartes, parce que ça m'énerve, là. Ouais, allez, c'est bon. Vous m'avez saoulé, là. Je suis, je suis contrariée. De toute façon, je suis contrariée. Je suis contrariée de chez contrariée. Voilà. Je, 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 je ne conçois même pas qu'il touche à Notre-Dame. Parce que, toucher à Notre-Dame, c'est comme si qui touchait aux Français, à la France, à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, c'est, oui, c'est, voilà. C est, c est... Je, vais, je vais loin dans mes propos, mais voilà, je ne sais pas. C'est un truc qui me, ça me dérange profondément. Il y en a qui, à qui ça ne fait rien, mais lui, je ne veux pas qu'il touche à Notre-Dame. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il touche à Notre-Dame. Laissez-la tranquille. Oh là là. Des vitraux qui ont combien d'âge Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous vous rendez compte Quelle honte. Bon, alors, les cartes, là, vous allez bien vous mélanger, bien comme il faut, sinon j'arrête. Hein. Oh, sinon j'arrête. Sinon, je ne fais pas l'actuvoyance avec ce jeu. Euh, parce que ça m'énerve. Voilà. Faites que les cartes me disent la vérité. Allez, c'est reparti, mon kiki. Que va-t-il se passer cette semaine en France Que va-t-il se passer Hop là. Alors, il y a une tournée prévue. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui celui-là. Alors, est-ce que. Je ne sais pas. Il y a une tournée prévue, quelqu'un qui fait un, un homme, de, un chef d'État qui se déplace. Euh, qui se déplace où Mais c'est un chef d'État qui se déplace. C'est peut-être Poutine, remarque, tu me diras. Mais pourquoi il va pas, il va pas aux États-Unis quand même Au Brésil Non, c'est pas possible, ça, Poutine. Non, ça, c'est pas possible. Impossible que Poutine se rende, je sais pas, au Mexique, au Brésil, ça n'existe pas. Alors qui est-ce Un chef d'État ou un ou un roi, un truc, enfin un roi, hein, oui, un truc comme ça qui se déplacerait sur le continent américain. Peut-être, parce que ça peut être aussi un notre continent, ça peut être aussi en Europe. Hein. C'est peut-être Poutine qui va faire un voyage, euh, va faire une tournée, la tournée des Grands Ducos. Oh là là, il y a encore un truc qui se prépare là. Hein. Ça le prive. Il y a encore un truc qui se prépare euh, au palais. Qu'est-ce qui se prépare C'est mauvais en tous les cas. C'est très mauvais. C'est qui celui-là C'est qui celui-là Je ne sais pas qui c'est. Un brin, un brin qui prépare quelque chose de mauvais. Bon, certainement pour nous, cherchez, cherchez pas. Hein. Bon, là, ça me dit pas trop grand-chose. Oula, oula. Oh ben là, on nous dit que les institutions sont. Je sais pas pourquoi, mais là, si ça me parle d'institutions, c'est la mort des institutions. La mort des institutions. Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. Il va. Oui, je sais pas. Ça va. Pourquoi la mort des institutions Ou alors la mort des institutions. Attends que je regarde un truc. Ou est-ce que ce serait euh... ou alors là je suis désolée parce que moi j'ai Notre-Dame en tête. Ou alors justement encore ce, un bâtiment que un bâtiment. Ah il y a pas un truc qui s'appelle la forêt dans Notre-Dame. Je pense qu'on me parle encore de Notre-Dame. Il hein. euh... y a pas un truc qu'on appelle la forêt ou je sais pas quoi. Je sais pas. La forêt, la forêt. On parle de, de quelque chose qu'on qu détruit, qu'on détruit. Hein. Moi, je pense qu'on parle de, de Notre-Dame encore. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'appelle la forêt dans Notre-Dame, mais j'ai l'impression qu'on va encore dé... qu'on détruit quelque chose. Mmh, J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. On détruit. On, de toute façon, on détruit tout. Comme ça, c'est parfait. Le roi soleil. Le roi soleil. Le roi soleil. Euh... Ah, c'est marrant ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va entendre parler encore du coffre de Benalla. Le fameux coffre qui n'a qui, qui jamais été ouvert. Benalla a été relaxé. Enfin tout va bien. Non mais tout va bien quand c'est ces gens-là, tout va bien. Mais on me dit qu'il est en Europe. <coughs> On me dit qu'il est en Europe, son coffre. Et pas en France, mais il est en Europe. Quelque part en Europe. Il l'a il a changé de place. Je ne sais pas ce que c'est. En plus, je ne sais pas ce que c'est que ce coffre, moi. Je ne sais pas ce que c'est, ce coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre À votre avis, qu'y a-t-il dans le coffre de Benalla Il y a tellement d'histoires, ça va tellement vite. Il y a... Tout va trop vite, en fait. Avec les réseaux sociaux, on dit un truc, deux secondes après, ça change. C'est euh, tout va beaucoup. Oh là, tout va beaucoup trop vite. Oui. Ah Sam, Attends, deux secondes. Ah oh, ben là, il y a une attaque avec. Euh, ça peut être. Euh... Oh, naninouche Non, oh, ça c'est mon chien. On a tête ma petite nanouche. On, on parle d'autres choses. c'est lui qui attaque, hein. c'est ça. Il y a beaucoup de les écrits. Pourquoi il va se passer quoi encore les écrits C'est quoi ça les écrits Il va se... je vois une attaque, je vois une attaque, euh, je vois une attaque, mais ça m'énerve. C'est je vous dis, je crois qu'on va changer de. Effectivement, on va changer le monde. Je crois qu'ils vont attaquer plein de choses. Ils vont attaquer les institutions. Ils vont attaquer euh, euh, ils vont tout changer en fait. Hein. Ça va. Ils vont faire ça petit à petit. Il y a quelque chose là, c'est quoi ce truc Pourquoi les écrits Pourquoi on parle des écrits Une attaque sur les écrits, qu'est-ce que ça veut dire Une attaque sur les écrits, ça veut dire quoi Une attaque sur les écrits euh, Sur des livres peut-être euh, Est-ce qu'on parle encore de Notre-Dame qu Est-ce qu est que ça a un rapport euh... oh, Ça m'énerve. J'ai trop Notre-Dame Notre en tête en fait. Donc, la réunion avec des étrangers, euh, une réunion au sommet avec des étrangers, je pense qu'il va y avoir aussi des problèmes de justice. Alors, est-ce que. Ah, peut-être que oui. Alors peut-être. Ou alors, c'est possible aussi euh, que la justice décide que non, on touche pas à Notre-Dame. C'est possible. Et, bah Je pense qu'il faut aller, voilà peut-être ce qu'on me dit, c'est qu'il faut aller. Oui, il faut même aller en justice. C'est-à-dire que s'il veut toucher à Notre-Dame, il faudrait que les gens se, 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 se réunissent et l'attaquent en justice. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. À la, mais à la cour internationale, hein, c'est pas. Euh... Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Hein. J'ai l'impression. Vous voyez, il faut faire des actions hein, dans, ce, dans ce genre. Bon, nempêche pour une brune. Je m'en fous. <laughs> Notre-Dame de. De Paris. Voilà, ça a continué, là, tout à l'heure, j'ai vu, il y a aussi un mec qui est rentré, euh, où c'est -ce qu'il est rentré Au Sacré-Cœur, je crois, avec un couteau et tout. Non mais, ils sont, ils sont barjots, hein, les gens, ils sont barjots, barjavel. Bon, les cartes ne me disent rien ce matin, ne hein. me disent pas grand-chose d'intéressant, donc ça va aller très, très, très vite, très, très, très vite ce matin. Enfin, elles me disent des choses, mais qui n'ont, pas trop d'importance, c'est pas, euh, c'est pas trop... Beau, hein. C'est des faits divers, on va dire. Donc, les faits divers, hein. <laughs> ce sont des faits divers. Donc, sur les faits divers, je passe. Je passe et je repasse. Ouais. Donc, là, effectivement, la manifestation, elle a eu bien, elle a eu bien lieu le 7, mais je vous ai dit, je la voyais. Je pense que les gens, ils sont fatigués, en fait. Ils sont très fatigués. Ils en ont marre. Ils veulent un petit peu de, de calme. C'est là-dessus qu'il a joué aussi, hein, Macron. À savoir que. Euh, il nous a tellement fait poireauter que les gens allaient manifester nanani, nanana, Tu parles, ils sont fatigués, c'est la rentrée. Il a bien joué. Vous voyez, il sait exactement quand, combien de temps. Euh, c'est Machiavel. Hein, laisser tomber. C'est voilà. Donc il l'a bien joué. Je m'en doutais que ça allait pas trop, euh, qu'il n'y avait pas eu trop de débordement. Mais par contre, j'en ai vu une autre. Je vous ai dit, c'est peut-être pas celle-là, mais s'il y en a une autre, la prochaine manifestation, elle va être très forte. Par contre, oh oui, oh oui, oui. Donc c'était pas celle-là. Hein. Je, je, je le sentais. Je dis, oh, les gens, ils sont fatigués, ils en ont marre, tu vois. Bon, là, beaucoup d'argent encore, toujours pareil. <laughs> bah, je pense que c'est pour les vitraux de Notre-Dame encore. Hein. Euh, un paquet de thunes encore. Euh, si ce n'est pas pour Notre-Dame, c'est pour qui Je ne sais pas. C'est peut-être pour une autre église aussi. Hein. Il y a des gens qui vont donner. Euh, pour une autre église. Il y a le pape aussi. On va voir ça. Oh, oh bah alors là. Ouh là, un accident de voiture, j'ai l'impression. Je pense que Marine Le Pen devrait faire attention en voiture. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Alors, Marine Le Pen ou quelqu'un de sa famille, hein, euh, je ne sais pas. Peut-être, euh, comment elle s'appelle euh, sa nièce euh, Sa nièce, peut-être, faire attention en voiture. Hein. Euh, comment elle s'appelle déjà ça, Comment elle s'appelle sa nièce Oh, je ne sais plus. Bref attention en voiture un petit un accident est si vite arrivé hein. mmh, c'est ça aussi vous voyez moi je suis non mais là je vous jure je suis en mode euh, complotiste hein. je suis en mode complotiste je suis désolé mais je suis en mode complotiste parce que je, je suis en mode complotiste euh, ouais faut faire attention euh, non je vais pas je vais pas trop en dire je, je ne dis rien voilà en, tout, en tous les cas faire attention à un accident de voiture bon si c'est pas euh, marine le pen et euh, sa nièce, c'est peut-être une femme, une femme politique qui devrait faire attention euh, en voiture. Bon, on va dire qu'elle est plutôt blonde, mais bon, pas spécifiquement non plus. Hein. Mais si ce n'est pas Marine Le Pen, et sa nièce, c'est donc euh, une femme politique, hein, qui pourrait avoir un accident de voiture. Mais bon, ça va, je ne vois pas de. C'est quoi ça? Surtout si elle a pris des, des, des substances illicites, euh, un circuit, d'accord. Donc, ah, <laughs> d'accord, c'est tombé sur mystigris Gris. Ça oh, bah dis donc. Ah ben bah, oui, il a, il a son circuit hein, pour la pour ce que vous savez, <laughs> bavé pour ces substances justement illicites. Il sait très bien où aller. Vous inquiétez pas. Ah ben bah, fi fi fi. Il y a un circuit. Ou alors on va, oui oui. Alors faire attention aussi parce que, mis à part que, que ce, ce démon a un circuit pour s'acheter ce qu'il veut, où il veut, il y a aussi dans les tuyaux, euh, je ne dis pas que c'est de l'eau, mais j'espère que non, J'espère que non, parce qu'il pourrait y avoir euh, euh, bah, une attaque, entre guillemets, euh, c'est-à-dire l'empoisonnement de l'eau ou quelque chose comme ça, vous voyez Donc, il va falloir faire quand même très, très attention. Hein, il va falloir faire très très attention par rapport. Euh, moi, je pense que c'est dans l'eau parce que moi, je vois que des tuyaux là. Donc, euh, si c'est des tuyaux, hein, on verra bien. Mais euh, ça, c'est des choses aussi qui peuvent faire. Hein, L'empoisonnement par l'eau. Euh, hein, mais ça serait plus dans les. Ah, c'est peut-être la Seine aussi. Oui, c'est vrai. Oui, bon, on va peut-être nous, nous reparler de la Seine et tout. Mais euh, quand même, faire attention. Empoisonnement dans les tuyaux, dans de l'eau. Alors, je ne dis pas que c'est en France. Hein. Voilà, ça peut être aussi. Euh, Ailleurs, il y a une histoire comme ça. Ah bon Ah ben ça c'est certainement, euh, c'est certainement, euh, je pense que c'est la comment ça s'appelle Ce serait certainement pour un parce que comme tout le monde veut le voir euh, euh, en prison, celui-là, je pense qu'il va y avoir un courrier pour lui, pour lui, pour lui dire que entre guillemets qu'il est, qu est arrêté, quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on va arrêter quelqu'un ça, ça se passe en Orient plutôt. Est-ce qu'on va arrêter une personne, une personnalité, en lui disant voilà, vous êtes en état d'arrestation hein Ce serait hein oh là, très bizarre, hein très bizarre. Oh bah autre chose. Ouais. Allez. Ah Ah oui, non, ça y est. Non, attends. Attendez. <laughs> ouais, non. Je crois qu'il y a une enquête aussi sur le pape, mais aussi une enquête sur, comment il s'appelle, sur euh, euh, l'abbé Pierre aussi. Hein. Alors, il y a une enquête par rapport à ses amours à l'abbé Pierre. Hein. Vous avez vu, il y a 17, euh, 17 nouvelles victimes qui, ont, euh, qui témoignent, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est ouais, ouais, les, les enquêtes, ça. Hein. Ça continue. Ça peut être que l'abbé Pierre, hein, parce que quand même, le pape, il ne faut pas exagérer. Mais il y a une enquête aussi hein, ouverte. Hein. Il y a des enquêtes qui s'ouvrent. Hein. En loose day, comme on dit, en secret, en secret, en secret. Ah là là, je vous jure, quel monde. Quel monde de fous. Alors qu'on a tout pour être heureux, on devrait être bien, on devrait être tranquille. Non, c'est vrai, on devrait être bien, à part les fous qui, qui se promènent dans la rue, mais sinon, on devrait être bien, en fait. Oui, mais bon, c'est comme ça. Manifestation mauvaise, ça c'est ça que je voulais dire. un hein, fois, ça recommence. Je pense qu'il va y avoir une autre manifestation qui va, celle-là va faire du bruit. Hein. Celle-là, elle va être très méchante la manifestation. La prochaine fois qu'il y a un rassemblement, parce que là, euh, là ils nous ont épuisés, mais je peux vous garantir que la prochaine manif, elle va faire mal aussi. Oh, elle va faire très très mal. Elle est très mauvaise la prochaine manifestation. Hein. Enfin, en tout cas, il y en a une qui va être très méchante. Très méchante. Et je vous ai, la dernière fois, je vous ai dit, je, je vous ai dit, putain, ils veulent, ils veulent même aller euh, le déloger euh, à l'Elysée. Hein. Ah oui, ça va être très fort hein, la prochaine fois. Il hein. ne faut pas rêver. Hein. Il ne peut pas comme ça euh, tout le temps euh, faire ce qu'il veut. Pas possible, hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah ah oui, pense aux travaux, d'accord, ok, ok. Oui, oui, c'est ça. Pense à tes travaux. Pense-y bien à tes travaux. Ou tu a que ça à faire. Euh... <laughs> Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, en fait. Pas du tout cohérentes. Ça veut dire que juste après, euh, euh, juste après, c'était un jour après qu'il ait nommé le Premier ministre, oh, je ne sais plus, enfin quelques jours, il. il il ne laisse, laisse pas du temps, en fait. Les gens n'ont pas le temps de respirer qu'il annonce déjà quelque chose d'autre. Hein Comme, euh, euh, oui, Emmanuel Macron insiste pour euh, qu'on change euh, les vitraux. Quand même, laisse les gens respirer. Tu ne peux pas nous laisser tranquille cinq minutes Je ne sais pas. Je pose la question. Je pose la question. Bon, ben bah écoute. Euh... Hum. Ouais, c'est bien l'enfant, ça c'est sûr. Oh c'est quoi ça? Oh, les gros conflits par rapport. Ah, d'accord. Ah, ben là, je, je vous dis, il va y avoir, il va, il, il va avoir des... des gens contre lui hein, par rapport. Euh... Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il, va avoir, il va y avoir des gros conflits au sein du, au sein du palais, justement. Par... Moi, je pense que c'est par rapport à Notre-Dame. Après, hein. on verra bien. Mais des gros, gros conflits avec un. Bah, quelqu'un qui est chargé de, de, de tout ça, quoi. Il y a des, on, on, en, on entendra parler euh, à la, dans les médias, hein. il va y avoir des gros conflits avec un homme euh, qui, qui ne voudra pas euh, faire allégeance à son Altesse, on va dire ça comme ça. Ouais. Bizarre. Alors, oui, c'est bien. Allez, on s'en fiche. Oui. Mmh. Ça me fait penser aux vitraux quand même, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ma carte là me fait penser aussi un peu aux vitraux, non Un peu, hein <laughs> Je suis axée sur Notre-Dame. Bah ouais. Bah donc là, il va y avoir un problème. Hein. Bah je ne sais pas. Euh, si c'est bien les vitraux que je vois. Euh, il va y avoir un petit problème quand même. Donc, il va les, ils vont, ils vont, ils vont les casser, alors. C'est ça, il va le faire. Il va le faire, il va le faire. Il va, il va casser les vitraux. Hein. Il y a quelque chose. Oui, enfin, là il, là, il déclare la guerre à la France, entre guillemets. Mais s'il touche aux vitraux de Notre-Dame, il déclare la, la guerre à la France. Ben, Notre-Dame, c'est voilà, le cœur de. Voilà. Donc là c'est ce qu'on me dit. Donc ça ça me fait penser quand même aux vitraux donc je pense que c'est ça mais vu la carte qui est après si c'est euh, casser les vitraux à moins que si jamais il les change comme j'ai dit on va les casser parce qu'on veut pas <laughs> on veut surtout pas que ce type laisse son empreinte surtout pas sur sur Notre-Dame tu vois c'est mort. Donc euh, je pense que les vitraux s'il les change s'il arrive à les faire changer ils ne vont pas rester longtemps, je ne sais pas. Hein. Moi, je, je vous dis ça, mais je pense que les gens ne veulent surtout pas de l'empreinte de Macron sur Notre-Dame. Non. Donc, il y a... Euh, C'est une déclaration de guerre, un peu comme une déclaration de guerre. Ça va, ça va péter. voilà. Ou alors, ce sont les vitraux, effectivement, qui vont, être, euh, qui vont être cassés, ce qui serait dommage. Mais attendez quand même, parce que il veut les remplacer. Il va les mettre où les vitraux Admettons qu'il arrive finalement à ses fins pour changer les vitraux de Notre-Dame. Il va les mettre où Hmm il va les revendre, qu'est-ce qu'il va faire avec les vitraux Parce que ça coûte un bras quand même, surtout euh, vu l'époque. Hein vous voyez ce que je veux dire Hein Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc où est-ce qu'ils vont atterrir les vitraux Voilà, c'est tout ce que voilà, c'est tout ce que je demande, moi. Ouais. Ils ont des siècles. Il veut les changer. Ça va coûter un bras. Et après, il en fait quoi avec les anciens vous voyez ce que je veux dire Ça me paraît pas normal tout ça. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Les vitraux, ils vont en faire quoi Il va les vendre. Je ne dis même pas tout ce que je pense, les gens, parce que je pense des trucs dans ma tête, là. Euh, laissez tomber, quoi. C'est un truc. Euh... Demandez-lui qu'est-ce qu'il va en faire des, des vieux si jamais il change les vitraux. Demandez-lui. C'est soit ça, soit il n'arrive pas à les changer. Voilà. Soit euh, il y a de la résistance et finalement il ne pourra pas changer les vitraux de Notre-Dame. Je ne vois pas d'autres euh, explications. Enfin, je ne vous dis pas tout parce que là, ça, ça me saoule en fait. Ça m'énerve. C'est, euh, ouais. Ils sont en train de la piller, la France en fait, mine de rien. Ils sont en train de la piller. Bon, il y en a un qui est en planque. Euh, bon. Ils sont en train de la, ouais, de la piller. On parle encore d'une église, hein. je suis désolé. Hein. On parle encore d'une église. C'est comme si c'était la finalité de quelque chose. C'est-à-dire que en touchant à Notre-Dame, vous voyez ce que je veux dire? En touchant à Notre-Dame, c'est la finalité d'un de, de, projet. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est la finalité, c'est l'achèvement d'un projet, d'un truc. C'est très confus ce que je vois dans ma tête, mais c'est ça en fait, tu vois. C'est un peu satanique, disons les choses. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc il y a, y, a, y a cette notion de projet, d'achèvement, de d'un achèvement de, de, achèvement de quoi je... Je vais Pas vous Il y a l'achèvement quelque chose avec Notre-Dame. C'est voilà. Un projet, euh, c'est un oui, c'est notre projet, oui, c'est un projet satanique en fait, enfin, c'est la finalité de la chose. Pourquoi, pourquoi voulez-vous qu'il change les vitraux de Notre-Dame Pourquoi ça lui tient à cœur tellement Je pose la question pourquoi Vous trouvez ça normal Alors que soi-disant la France, elle, on n'a plus de sous, a priori, pourquoi veulent-ils faire changer les vitraux Pourquoi ils insistent Parce que c'est la finalité de quelque chose. C'est comme si qu'il avait fait un pacte avec le diable lui-même et qu'on lui aurait dit, voilà, ça, 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 et pour terminer, ça, tu vois Ah oui, voilà, bon, écoutez. Je... Non, mais je me tais. Je suis énervé. Je suis énervé. Non, ça, ça m'énerve. Tout ce que je vois dans ma tête, ça me... Oh là là, ça me perturbe, hein, tout ce que je vois dans ma tête, franchement. Hein. Ça me perturbe. Le feu, le feu, oui, le feu. Allumez le feu. Ouais. C'est bizarre, ça, encore, tiens. Tu Bon, écoutez, moi, je suis restée juste sur Notre-Dame. Hein. Voilà, je reste sur, juste sur Notre-Dame. Je, je pense aussi qu'il peut y avoir un accident, je, je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, dans un, enfin, un avion je, je... Ça peut être des, des, des gens qui s'entretuent, qui, qui se donnent des coups de couteau dans un avion, un truc comme ça, dans un avion. Alors là, ça fait ça, voilà, ça, va faire mal hein, dans l'avion. Si c'est dans l'avion, euh, ça risque de faire mal quand même. Ça peut être… Euh, des... Soit c'est un avion, je vous dis, il y a un problème, mais soit c'est des gens qui… qui... Quelqu'un qui a un couteau, ou alors qui aurait un couteau dans un avion, quelque chose comme ça. Oh là là, je vous dis non, moi je suis contrariée, hein, là je suis désolée, je suis contrariée, je vous ai dit ce que je voyais, moi je vous dis que c'est un projet Notre Dame, que c'est la fin de son projet, que c'est un pacte diabolique, n'est-ce pas? Et qu'il y a quand même des gens qui résistent, hein. il y a des gens qui ne veulent pas au sein de son équipe, au sein du gouvernement, il y a grosse, grosse, grosse bagarre entre eux pour justement ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Voilà. Et moi, si vous m'écoutez, moi, je vous dis là, tous les gens qui sont autour de ce démon, c'est un projet satanique diabolique et il ne faut absolument pas changer les vitraux de Notre-Dame. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera une actu voyance du dimanche plutôt basée sur Notre-Dame parce que c'est ça que j'ai en tête. Et puis le reste, bon, bah, ben, le reste, ce sont des, Oh, ce sont des faits divers, on va dire ça comme ça. Bon allez, je lui fais des gros bisous et euh, je vais aller boire un café. Euh, je vais me calmer. <laughs> gros bisous, là, qu'on like, on partage. Bisous, les filles.